King Julian style. Salutations les lémures, on se retrouve sur Sea of Thief en compagnie de Shaq pour la suite de l'aventure et de notre quête vers les pièces manquantes du Shoebreaker. Nous recherchons toujours la clé de la couronne et donc tout de suite on se retrouve, je vous laisse avec les images. Il y a des planches et tout, commence pas à boire toi. Là faut valider là la petite dame. T'as validé? Non, je t'attendais. Ah, c'est là. Ouais, je sais, c'est le livre. C'est parti. She used to drink here, in my tavern, when she was alive, I mean. I always look forward to those nights she arrived, all gold and glamour. I was just a girl then. She used to tell such stories, all about where she'd been and the adventures she'd had. I'd write them all down. Ça y est, je commence à voir flou. Ça y est, je commence à trembler du gel. Dad told me not to listen. Faut lire. I just wish there was more to it than a bunch of made-up stories. Still, if it does lead you anywhere interesting, come back and tell me about it. I want some real adventures to write about. Bon, avant de partir, resserre-moi. Pareil. Voilà, merci. Salut ma petite dame, on repasse te voir si on y arrive. Ah non mais c'est prévu hein. Et puis on va trinquer, on va festoyer à... Ouais c'est par là. Non. J'ai jamais vu, il y a même une grotte et tout. D'accord. Ouais ça te permet de passer de l'autre côté et après il y a le chemin qui t'amène accès aux passerelles. La troisième... Bah la première page, ouais, avec son dessin là. Mais après il y a le petit dessins, navire. J'ai pas le souvenir que ce soit ceux-là, c'est des dessins du dessin. Si, il y a eu une attaque. Après elle répare, elle s'en va. Ouais ouais, mais tourne les pages. Chasse au trésor. C'est pas les mêmes que la dernière fois, rien. Ah ouais. Et celle d'après non plus, ami poisson, c'est pas la même non plus. Attends, je vais lever les voiles avant qu'on s'éloigne trop. On va se poser deux petites secondes, tranquille. Déjà je vois à gauche, il y a une épave de bateau si tu veux. Pour aller faire un petit tour. Donc. Est-ce qu'elle change à chaque fois la quête? Non, c'est... parce qu'en fait c'est les dessins qui changent. Les dessins ils changent. Je crois que le coffre, tu vois, le coffre il change pas. Le coffre il est toujours en même position. C'est les clés, Ils changent, ouais, ils ont changé sur la deuxième, alors sur chasse au trésor, c'est pas la même position que la dernière fois. Parce que chasse au trésor, ouais, celle-là, je sais où elle est. Tu vois, rien qu'à voir le dessin, je sais où c'est. Parce que là où il y a un crack, il faut trouver les deux rochers, et il y a une épave qui a échoué entre les deux, et c'est là qu'il faut aller récupérer la première clé. Ouais mais ça là je sais c'est pareil ça on est passé devant et là, tu vois en fait le dessin il faut cacher ça le dessin en bas. Ouais. Et bah en fait, c'est la dernière île qu'on a fait. C'est une grotte. Non mais c'est dans une grotte. Ah là, bah. T'as raison en fait, tu vois c'est une grotte, c'est pas une. Ouais il y a une grotte, grotte sous-marine à explorer aussi. Mais le coffre au trésor, il est planqué près d'une chaloupe qui est retournée et qui est mise en mode le habitation, tu vois. Ouais. Le coffre au trésor, il est sur la dernière page. Ami poisson. Il faut
faut se catapulter ou je sais pas quoi pour aller à la rec. Tu vois, le coffre, il est là-bas, le coffre. Faut se catapulter pour récupérer le coffre. Il est en hauteur. Par contre, les deux autres clés, bah voilà, les deux autres clés, l'autre elle est en profondeur, une épave. Ça, je crois que sur la première quête qu'on avait fait tous les deux, fallait déjà récupérer un truc là-bas. Par contre, c'était où, je me rappelle pas. Je pourrais pas te dire, je sais plus. Faut sûrement regarder le plan et ça va être indiqué. Et la première, bah je t'ai dit, la première, ouais, c'est bon. C'est sur lui qu'on a fait. Tu veux qu'on fasse quoi en premier? Déjà, quand il dit une bizarre au nord-ouest, il y a l'épave qui a échoué entre deux bateaux là, enfin entre deux îles. T'es sur laquelle là? Daxertus. Sur la deuxième là, ouais, chasse au trésor. Ouais, mais ça, tu te rappelles pas la première quête qu'on a fait tous les deux? La première fable qu'on a fait sur celui-là, on a été à un endroit où il y avait un. Comment ça s'appelle? Bah, une épave de bateau. Ouais. Et bah, il y a un endroit. C'est au même endroit, sauf qu'il faut plonger tout au fond, tu vois, pour aller le récupérer, je pense. Sauf que non, on n'avait pas été au fond. De toute façon, là, faut retourner vers Golden Sand. Hein. Là, tu veux faire quoi? On va chercher la première. Je pense qu'il vaut mieux faire ça dans l'ordre. Parce que sinon, après, on va s'embrouiller, ouais, ou perdre trop de temps et perdre le cap. Navire. Golden Sand, c'est ça. Ouais. Donc là, on est là. Ok, donc Golden Sand, c'était. Parce qu'après être passé à Golden Sand, faut trouver deux rochers et aller chercher un truc qui a coulé dans l'eau. Ensuite, on continue vers un avant-poste. Et pour moi, faut aller à Saïti Island. Hein. Parce que l'île où il est écrit il faut cacher ça et la petite qu'on voit en face des deux rochers, c'est pas la même. Non mais le truc, attends, bah, justement, attends, on va y aller. Déjà on va aller à, comment ça s'appelle, à Golden Sand, déjà il y a de la route. Ouais, parce que là on est carrément à l'opposé. Donc déjà on va y aller. Qu'est-ce que tu veux, on va fouiller l'épave là, tant qu'on est là. Ouais bah oui. Une épave, tu vois les oiseaux là. Ouais. Quand il y a des mouettes comme ça là, c'est en fait il y a une époque. Bah normalement c'est censé indiquer qu'il y a du poisson à manger. Normalement ouais. Mais là ça t'indique qu'il n'y est pas. Putain ouais, elle est juste à côté en fait. Donc, ouais, faut bien surveiller parce que. Ah, il y a un bateau. Où ça? En sud-est là, sur l'île. À moins que ce soit une épave. Je pense que ça doit être une épave aussi. Ça. Parce que je vois que le mât et la voile repliée. Ah non, ouais. il est entier. Hein. Ouais. Il a l'air d'être planqué à l'arrêt. Non, il repart. Ouais, plein sud-est. Ouais, ouais, je dois voir repartir. Bah, de toute façon, allez, on y va. On va chercher les trucs. Bon, c'est encore les bottes, des trucs bizarres, ça. Direct fond de cale. Non, je vais quand même voir dans la truc du capitaine là. Ouais, direct, j'ai un sachet. Je le prends. Hop là. Du coup, j'ai pas été en fond de cale. Ok, il y a du poulet. J'ai pris un coffre à boulet. Après, si tu veux, on peut aller voir entre les deux gros rochers qu'il y a à droite. Hein. En face, là. Ouais. On avait été, je crois, déjà la dernière fois. Ouais, mais on n'est pas allé voir sous l'eau. En face là, mais je crois qu'il y a une petite île au milieu.
Je sais pas. Non, je crois que ça allait après l'île. Tu vois, si tu suis si tu suis la map, là, bon, là on n'est pas dans la bonne trajectoire. Faudrait qu'on est là maintenant. Par là. Bon, elle était pas douée en perspective, la petite fille, mais ça se trouve, c'est ça. Hein. Ce que tu disais la première fois, et après, Les deux rochers là. Sinon, après, Et faut là, tester les regarde. plus petits. Hein. Regarde, si on continue en face là, regarde, j'ai mis sur le plan. J'ai mis sur le plan, et quand tu dis le dessin de la petite, tu passes entre les deux rochers, t'as l'avant-poste sur la gauche et l'île en face. Et l'île en face, c'est. Lone Cove. Elle est marquée. Lone Cove. Et sur celle-là, normalement, t'as la première clé. Donc on va aller voir. Arrête-toi quand même entre les deux rochers d'abord. Ouais. Mais je pense pas c'est ici parce que l'île où il y a le navire, c'est pas des rochers, c'est vraiment deux ou trois petites îles qui font un arc de cercle. Ou un demi arc de cercle ici. Non, il y a rien ici, je pense. Je vais être lent, mais il y a rien. Vas-y, si tu veux aller voir. C'est des cailloux transparents ou quoi? Ouais, en bas du rocher, t'as un banc de sable. Mais y a rien. Non, je t'ai dit, c'est pas ici. L'autre, j'ai pas vu. J'ai pas le souvenir que ce soit. Ah, parce que j'en ai. Ah ouais, mais après, tu sais, c'est la première version de l'histoire. J'en ai vu s'arrêter entre des rochers, aller dans une épave. Mais après, s'ils l'ont modifié. Bon bah, j'ai bu la tasse pour rien. Tu t'es mouillé pour rien. Ouais, les deux. Donc ça voudrait dire qu'après, si on atterrit à... Faut qu'on passe devant un nouvel avant-poste, alors. Sur notre gauche, là, donc c'est l'avant-poste de Sanctuary. Voilà. Voilà. Après, on va continuer en face. Continue en face, normalement t'as une île avec une droite. Et normalement dans la Lone Cove, tu dois avoir une droite. Hein. Si c'est Lone Cove, c'est ça. Hein. C'est quand même sous l'eau. Ouais, c'est quand même bizarre qu'il flotte. Bon là, il y a une caisse d'épices, on s'en fout un peu. Il y a une quête aussi. Là, il y a un trésor ici. On va aller direct au fond. Ouais, t'as qu'une caisse aux épices. Si t'as besoin de respirer, tu peux aller dans la cale du capitaine. Ok. T'as un trésor encore en bas. Ah, mais là, peut-être je vais devoir pouvoir respirer ici. Non? Ouais, c'est bon. Et un rubis là. Enfin, un saphir. J'ai ramassé le crâne. Vas-y, on va repasser après. Ah, la sortie, s'il vous plaît. Parfait, c'est bon. On se barre. La petite douille. Par contre, c'était où? Ouais, c'est à droite. Ah, j'ai un poisson. Bah, faut le faire cuire. Hein. Bah, mais je l'ai pas ramassé, moi, le poisson. Enfin, je m'en souviens pas. Mais si, t'as pêché tout à l'heure. Non, mais c'est pas le mien. Ah bon? Ouais, il est comme ça là, regarde. On dirait qu'il est tout doré. Ah ouais. On dirait un bébé espadon. Je te jure. Donc normalement ici, bon, on devrait trouver. Il devrait y avoir une entrée de grotte sur l'Onco. Ça tire ou quoi? Ça voudrait dire qu'ici, il y a une entrée de grotte. Bah, je crois qu'il y a le passage qui est entre les. Celle-là, il y a un renfoncement, ouais, effectivement, on dirait qu'il y a une grotte.
De toute façon, au pire, on va faire le tour. Non, mais elle est là. Ah ouais, je crois l'avoir vu. Ouais. Il y a une sirène en dessous. Attends, je vais essayer de bien me garer. Ouais, elle est juste là. Ouais. Sauf si tu le ramènes trop. On voilà. A tapé. Et je suis bloqué. Non, c'est bon. Je vais jeter l'autre parce que sinon on va trop se barrer. On la remonte direct. Bon, bah, c'est nickel. Allez, on y va. Allez, on croise les doigts. En espérant que ce soit le bon truc. Tu m'étonnes. Si on reprend la carte, normalement on devrait trouver une épave de... Bah de barque alors. Une épave de barque. Bah ouais, là il y en a une là. Fais gaffe au serpent. T'as une épave de barque juste derrière là si tu veux. Il y a un livre ici là. Si tu veux le livre, il y en a un là. Il y a des trucs intéressants donc. Ah là, il y a des planches, il y a des bananes. Il y a un boulet. Bon, ouais, on va tester. On va essayer, il y a un truc qui est là. On va tester là. Mais tu vois rien. Yes. Bien joué. T'as pris la clé? Bah ouais, ouais, on va éviter de la laisser par terre. Allez, c'est bon, on se voit. Ouais, j'étais en train de voir, mais j'ai plein de sangsues sur moi déjà. Et il est où le bateau? T'as le bateau, il se barre. Non. Bah ouais. Non, je peux pas nager vite avec une clé dans la main. Bah non. Bah je vais... Attends, je vais essayer de remonter là. Non, je peux pas. Oh putain. Bon attends, on va essayer de nager plus vite. Je te rejoins. Attends, de toute façon, s'il part trop loin, il y aura une sirène qui va venir. C'est un truc d'ouf. Elle est pas mal celle-là. Elle est marrante d'eau douce. C'est bon? Ouais. On va essayer de la mettre comme une dernière fois. Ouais, ouais c'est là, elle est cachée. Parfait. Bon alors, là c'est bon. Deuxième page. Dagger plus. C'est où le ah, c'est tendu pour attraper un tonneau. Hein. Ouais, puis les tonneaux c'est légèrement bugué. Ouais, je tape en plein dedans, ça marche pas. Ah ouais, je te dis, c'est bizarre. Ah, j'en ai eu un. Regarde. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ouais, je suis en train de regarder la map là, vite fait. Ok, donc là, normalement, vu qu'on est. Ah, tu repars dans l'autre sens ou tu bah, fais demi-tour? Non, faut retourner à Summer Bay. Non, là faut qu'on aille quand tu prends la deuxième page. Maintenant, faut qu'on aille à Tiger Tooth. Et de Tiger Tooth, si on prend le dessin, le dessin en. Ouais, mais haut, regarde, c'est de... mon Kraken. Je te dirai après. Non, requin. Ouais, non, c'est bon, on peut se barrer.
si on le laisse, ça nous fera. Ouais, mais on peut devenir des chasseurs de requins. Bah, alors, si tu veux t'amuser, vas-y, on y va. Bon, t'as de la chance que là j'ai mon tonneau là. Ah ouais, je peux même pas récupérer le tonneau quoi. C'est genre je fous juste dedans et. Sorti de l'eau, il m'a éjecté. Oh non, le bateau! Il m'a éjecté, le bateau il va être. Ouais, moi aussi il m'a éjecté. Il est énorme le truc. Aïe aïe aïe, bah, il va nous bouffer tout cru. Attends, je mange une petite banane quand même là parce qu'il m'a mis cher. Je vais nager dans le. Comme ça j'aurais peut-être une. Ah, je fais du surf avec les vagues. Ah, j'ai une sirène, c'est bon, parfait. Vas-y, sauve. Il faut qu'il y en ait un de nous deux qui survive. Oh, putain, le bateau, il est en train de moitié. Il y a de l'eau. J'ai été percuté où? Ah, à l'arrière. Ah ouais. Bah, j'ai cop. On se barre ou on l'attaque? Ah bah, de toute façon, maintenant, je suis pas sûr qu'on ait le choix, hein. Putain, il m'a coincé. Ah, des planches. Ouais, je répare. Moi, je vais te défoncer. Ok, c'est bon, il n'y a plus d'eau. Elle est là-bas. Ok, touché. Je l'ai harponné. Ça lui fait pas mal, ça va nous faire peut-être chavirer par contre, les gars. Oh, la limite. Il est où? Il est là-bas. Je vais virer mon sabre. Ouais, je l'ai mis. Il est pas mort. J'ai pris un pétard aussi. Ah là, il charge. Faut se reculer. Ah, il va me bouffer la tête. Il m'a éjecté encore. Alors je répare. Je nage en sens contraire pour essayer de trouver de la sirène. Ouais. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. Est-ce que Shaq et King Julian s'en sortiront face à ce mégalodon? Vous le serez la prochaine fois. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez voir si ces deux petits marins d'eau douce vont s'en sortir la prochaine fois face à cette bête, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la suite de leurs aventures et des autres jeux présentés sur la chaîne. Sur ce, on vous laisse. Survivez bien. Ciao, ciao. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.